Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute bin ich bei der Schmiede Lagiol Claude Dosorme. Wir werden heute ein Interview machen mit ganz vielen Fragen, so wie wir es auch mit den anderen Schmieden gemacht haben. Deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie die Schmiede Claude Dosorme diese Sachen sieht. Heute haben wir allerdings nicht den Inhaber von Claude Dosorme, der ist leider aus privaten Gründen verhindert. Dafür haben wir hier die Claudine Dosorme. Das ist Frau, die bis März 2022 die Firma geleitet hat, und zwar in der vierten Generation. Und ab März hat sie die Firma an Didier Perret abgegeben. Und das Interview sollte zwar mit ihm stattfinden, aber wie ich sagte, der ist leider verhindert. Dafür haben wir das Interview mit Claudine. Da sind wir sehr, sehr glücklich und froh, weil sie weiß natürlich auch die Geschichte von Claude Dosorme viel besser. Wir werden darüber auch einige Fragen und einige Antworten dazu hören. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir sie heute hier dabei haben. Allerdings ist sie nicht mehr in der Führung von Claude Dosorme, sondern sie ist, würde ich sagen, so eine Art Botschafter der Firma, und heute wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass sie noch vor der Kamera auftritt im Namen von Claude Dosorme. Guten Tag, vielen Dank. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous et à la Monnerie aujourd'hui. Ja, wir sind sehr glücklich, dass sie dabei ist, und da starten wir schon direkt mit der ersten Frage, und zwar: Wie wurde die Firma Claude Dosorme gegründet? Welche Begebenheiten gab es damals? Ist vielleicht etwas Interessantes im Zusammenhang mit der Gründung der Schmiede Claude Dosorme zu sagen? Donc merci, je suis ravie de pouvoir expliquer au marché allemand les fondations de la maison Claude Dosorme. Donc Claude Dosorme, la société a été fondée en 1902 par mon arrière-grand-père Blaise Dosorme. Donc Blaise Dosorme en 1902 était un entrepreneur dans l'âme, et d'abord il avait un petit sobriquet qui était le loup, et ce loup vous le retrouvez sur c'est notre logo aujourd'hui, le loup. Donc Blaise s'est marié avec Adrienne, qui avait des terres à la Monnerie. Et comme Blaise était un grand entrepreneur, il a voulu construire une usine parce qu'il travaillait au creux de l'enfer comme ouvrier, très doué d'ailleurs. Hein, Blaise était quelqu'un qui était très habile de ses mains. Mais il avait l'âme d'un entrepreneur, et il a construit sa maison sur les terres d'Adrienne. Donc, une fois qu'il a construit sa maison, il a construit également un petit atelier juste à côté parce que ça marchait bien. Ils ont eu un fils, Valentin, qui était donc mon grand-père, hein, qui a repris également la société. Mais bon, Valentin, il y a eu la guerre, son papa est parti à la guerre, c'était compliqué. Et donc, il n'a pas énormément développé. Mon père s'est marié, donc là, il y a maintenant plus de 57 ans. Et ma mère, qui était une ouvrière à Chabreloge, qui travaillait en coutellerie mais en tant qu'ouvrière, lui dit: mais Claude, tu as une entreprise, il faut pouvoir reprendre cette entreprise, tu devrais y aller. Et mon père avait fait ses armes dans une société de sidérurgie à Issoire, et s'est dit: bah écoute, pourquoi pas, je vais reprendre l'entreprise familiale. Donc ma mère a été pour beaucoup à pousser mon père à revenir, donc dans les années 65-66, juste à ma naissance, reprendre l'entreprise. Quand il est arrivé dans cette entreprise, il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce que finalement, mon grand-père était un bon vivant, mais il s'était un petit peu endormi sur ses lauriers. Et mon père s'est trouvé comme dans une coquille de noix vide. Donc il a été très courageux avec ma mère, ils ont travaillé sur des machines, sur des polissoirs, des choses comme ça. Il est allé justement en Allemagne déjà, c'est là où nos premières relations se sont passées. Il est allé acheter sa première machine à émoudre. Donc il est allé voir la banque parce qu'il n'avait pas un sou pour faire un emprunt et pour dire: ben voilà, on veut acheter une machine, et en Allemagne, puisqu'en Allemagne, ben c'est là où il y a les meilleures machines. Mmh. Et la société a démarré comme ça. Il faisait beaucoup de sous-traitance. Il a travaillé aussi pendant très longtemps pour une société, il a créé toute une gamme de coutellerie pour Le Creuset, qui était une société qui faisait des plats en fonte. Et il s'est très bien entendu avec le directeur, et il lui avait créé toute une gamme de couteaux de cuisine. Et là, ben ça a très bien marché pendant de nombreuses années.
Et puis, ben, la fonte Cousance a été rachetée par le Creuset. Et mes parents se sont dit, oulala, on n'a plus de clients parce qu'ils n'avaient qu'un gros client. Et mon papa s'est dit, il faut diversifier. Et c'est, voilà, le Laguiole est arrivé là. Mmh. Sehr interessant, man sieht also, dass schon immer oder schon lange die Frauen in der Geschichte von Claude Azorm eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Claudine hat auch dann, nachdem sie es übernommen hat, die Firma wahnsinnig stark nach vorne gebracht. Die hat da wahnsinnig viele Innovationen, neue Ideen, neue Arten von Messer mit hineingebracht. Also unglaublich, was sie geleistet hat. Bis März 2022, wo sie die Firma an Didier Perret verkauft hat, das war bis dahin ein reines Familienunternehmen. Wie kam es zu dieser Änderung? Wie kam es dazu, dass du diese Firma verkauft hast? Möchtest du ein paar Sachen dazu sagen? Donc pendant 30 ans, j'ai voulu bâtir une marque, la marque Claude Azorm. C'était facile parce que c'était le nom de mon père et je voulais vraiment créer quelque chose pour lui, pour qu'il reste vraiment dans le qu'il reste dans l'histoire. Donc j'ai voulu bâtir une marque et avec lui des collections. Donc mon père a créé toute une usine et moi j'ai bâti toute une collection et une marque. J'ai parcouru le monde entier pour promouvoir les couteaux que fabriquait mon père. Pendant 30 ans, j'ai fait des salons, j'ai été représentante. Et au bout de 30 ans, tout était bâti, tout était construit. Et je me suis dit, c'est le moment de passer à quelqu'un pour développer la marque. J'étais une constructrice et j'ai voulu trouver un développeur et qui respecte et qui aime la fabrication. Donc j'ai cherché quelqu'un qui puisse perpétuer justement tout le travail, tout ce que mon père avait fait au niveau de la fabrication, l'outil de fabrication dont qu'il avait imaginé. Et j'ai cherché un profil d'ingénieur justement pour qu'il soit vraiment pro Made in France et qu'il aime justement cette transformation de matériaux. Et Didier avait bien sûr le côté commercial, parce que pour lui, le client est très important. Didier dit toujours, c'est le client qui doit commander la production, mais il a un grand respect de la production et il aime le Made in France. C'est un fervent défenseur du Made in France et c'est quelqu'un qui est ingénieur des arts et métiers, qui est une très grande école en France. Et donc, il a ce savoir technique pour continuer cette fabrication française. Mmh. Claude Azorm ist einer der größten Schmieden von Laguiole Taschenmesser oder Produzent von vielen Messern. Wie viele Mitarbeiter hat ungefähr Claude Azorm? Ich weiß, das hängt ja davon ab, an welche Jahreszeiten da sind. Das ist immer unterschiedlich. In der Weihnachtszeit ist ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger Mitarbeiter. Aber im Schnitt, wie viele Mitarbeiter hat Claude Azorm? Claude Azorm a aujourd'hui 30 personnes et la particularité de l'entreprise Claude Azorm, c'est qu'elle a intégré toutes les étapes de fabrication du couteau. Claude Azorm a été un précurseur puisque c'est le premier qui a découpé des lames au laser surtout en France, sur le bassin de Thiers bien sûr, mais en France en général. Donc aujourd'hui, tous les métiers de la coutellerie, hormis le traitement thermique, sont dans l'entreprise Claude Azorm. Donc on a 30 personnes, mais qui ont des qualifications très différentes les unes des autres. On va de la découpe de la lame jusqu'à la finition, jusqu'à l'affilage, en passant bien sûr par les moutures, par le meulage des lames, le façonnage. Donc c'est, je dirais, des métiers dans le métier de coutelier. Mais tous les stades de la coutellerie sont couverts par les collaborateurs de la maison Claude Azorm. Claude Azorm stellt ja nicht nur Laguiole Taschenmesser her, sondern hat eine unglaublich große Auswahl an verschiedensten Taschenmesser und vor allem auch Bestecke, Steakmesser, Küchenmesser. Wie viele Messer stellt Claude Azorm ungefähr pro Jahr her? Alors, à l'année, je vais vous laisser faire le calcul, mais on peut dire qu'aujourd'hui, Claude Azorm fait entre 800 et 1000 couteaux par jour. Was macht Claude Azorm besonders verglichen mit den anderen Schmieden? Was ist die Besonderheit von Claude Azorm und wie setzt sich von den anderen Schmieden insbesondere ab? L'entreprise Claude Azorm, ben justement grâce à Claude Azorm, a eu cette volonté d'intégrer toutes les étapes de fabrication sous un même toit.
Il faut savoir qu'à Thiers, il y avait beaucoup de travailleurs à domicile. On portait les couteaux. Il y a quelqu'un qui savait faire la découpe, quelqu'un qui savait faire le montage. Et mon père a été très visionnaire. Il a dit, mais je ne veux pas dépendre de fournisseurs de forges, ou je ne veux pas dépendre de fournisseurs de manches pour mes couteaux de poche, et je veux tout intégrer. Et cela, l'intégration de toutes les étapes a pris une trentaine d'années, et c'est une grosse particularité de Claude Dozorme, parce qu'aujourd'hui, Claude Dozorme maîtrise toutes ces étapes. Et c'est en maîtrisant ces étapes qu'on peut aussi avoir un souci de qualité constante. Donc Claude Dozorme est une entreprise rare sur le bassin de Thiers à avoir toutes ces étapes, et tout ça dans le souci du client, parce que finalement, un couteau, c'est comme un bon plat. Il faut des bons ingrédients, mais également avoir un bon tour de main. Et Claude Dozorme a formé pendant des années des apprentis, des personnes sur des nouvelles technologies également, de manière à toujours satisfaire au mieux les clients. Ja, das hört sich natürlich sehr interessant an. Das ist sicherlich eine Stärke. Ich habe ja auch viele Schmieden besucht und es stimmt tatsächlich, dass nicht alle Schmieden die Möglichkeit haben, solche alle Schritte von vorne bis hinten in deren eigenen Werkstätten zu produzieren. Manche sind zu klein, manche aus Kostengründen. Deswegen kann ich schon bestätigen von dem, was ich selbst gesehen habe, dass es auch wirklich so ist, was die Claudine gesagt hat. Gibt es ja noch andere Stärken von Claude Dozorme, die die Firma auszeichnet, außer dieser fantastischen Produktionsart. Alors, il y aurait beaucoup de points, mais je vais en souligner surtout deux. C'est que tous les produits Claude Dozorme sont fabriqués dans l'entreprise. Déjà, c'est un... Tous les produits de toutes les gammes, tout sort de notre maison. Et le deuxième point, c'est que Claude Dozorme est très innovant. La marque Claude Dozorme s'est également adapté des produits à l'époque actuelle. Par exemple, le liner. On a bien sûr des lagueules traditionnelles, mais on a voulu aussi faire des choses, et ça a été ma volonté d'adapter vraiment le produit au style de vie des gens. Et par exemple, on a le liner, la gueule, qui est ultra plat, ultra léger. Donc on a été bien sûr suivi un peu sur ce modèle-là. Mais c'est vrai que ça a été une innovation de Claude Dozorme de faire un couteau squelette entièrement dans l'usine, le liner, la gueule. On a d'autres choses aussi, le lagiole drop 9, avec un système vraiment très particulier à Claude Dozorme. Donc Claude Dozorme développe des mécanismes, c'est la vocation de la maison Claude Dozorme, de faire ce que les autres ne font pas. Ja, das kann ich bestätigen. Zudem hat noch weitere besondere Mechanismen wie Veru oder ganz andere patentiert. Das finde ich total cool. Das hat keine andere Schmiede. Also das ist wirklich wahnsinnig innovativ, Claude Dozorme. Claude Dozorme verkauft aber nicht nur in Frankreich und Deutschland, sondern weltweit. Kannst du sagen, in welchen Ländern besonders gut die Messer laufen, oder wie weit verkauft denn Claude Dozorme die Messer auch außerhalb Europas? Alors, il est vrai que Claude Dozorme, bien sûr, vend à l'international. Aujourd'hui, 50% des produits partent à l'export dans le monde entier. En dehors de l'Europe, on va vendre dans toutes les destinations. On est aussi bien en Asie qu'en Amérique. Et il n'y a pas un pays où Claude Dozorme n'est pas présent. Ok, wow. Donc c'est vraiment worldwide. Ça a été une volonté. On a été beaucoup appuyé. On a fait des missions de prospection avec la Chambre de commerce. On a eu des. C'est vrai que j'ai promené ces couteaux dans le monde entier. Mais aujourd'hui, on les retrouve dans les quatre coins du monde. Mais le pays dans lequel on est le plus fier de travailler, c'est bien sûr avec l'Allemagne. Parce que vous êtes des amateurs de couteaux. Et vraiment. On a eu des articles sur Messer Magazine, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement fiers de travailler avec l'Allemagne, parce que vous êtes des connaisseurs, vous êtes des gens qui apprécient nos couteaux, et c'est vraiment le pays qu'on préfère, avec lequel on est le plus fiers de travailler, parce que vous êtes exigeants, et l'exigence nous pousse justement toujours à nous améliorer. Das war jetzt eine Hommage an den deutschen Kunden. Sehr nett, danke schön. Kommen wir jetzt ein bisschen zu der Geschichte von Lagiol.
Es gibt ganz viele unterschiedliche Geschichten, wie die Lagiol entstanden sind, wie die deren Namen bekommen haben, wie die nach Lagiol gekommen sind. Wir haben auch von den anderen Schmieden entsprechende Versionen gehört. Wie sieht Claude Ozon die Entwicklung der Lagiol, beziehungsweise wo das ursprünglich herstammt? Wie sieht Claude Ozon die Geschichte des Lagiol-Messers? Le couteau Lagiol, en fin de compte, était à la base, à mon sens, un couteau de paysan qui était utilisé par les paysans du village de Lagiol. Comme dans d'autres villes, il y avait d'autres couteaux qui étaient utilisés par d'autres habitants de villes, par exemple à Issoire, à Saint-Jean. Et c'est donc les paysans de Lagiol avaient besoin de ce couteau pour percer le ventre des moutons quand ils mangeaient trop d'herbe parce que ils faisaient de l'aérophagie. Donc c'était vraiment un couteau très utile. Et les paysans l'hiver fabriquaient ce couteau chez eux, voilà. Et quand les gens en ont voulu un petit peu plus, ils sont venus à Thiers, puisque Thiers, ça fait 600 ans qu'on fabrique des couteaux. Et toutes ces villes qui utilisaient des couteaux très particuliers venaient à Thiers acheter ces couteaux-là. Et à Thiers, eh bien, on nommait, on baptisait ces couteaux du nom des gens qui venaient les acheter. C'est pour ça que le Lagiol, on l'a baptisé le Lagiol. L'Issoire, on l'a baptisé l'Issoire. L'Issaint-Jean, les gens qui venaient d'Issaint-Jean, on les baptisait l'Issaint-Jean. Donc voilà un petit peu la genèse, parce que c'était à Thiers qu'on faisait des couteaux en plus grosse quantité, en masse, voilà. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die ist mir ja auch neu, aber so erfährt man in solchen Gesprächen und Interviews immer mehr über die Marke Lagiol. Gibt es auch speziell bei Claude Ozon eine besondere Geschichte, wie der Urgroßvater vielleicht damit begonnen hat? Irgendwas Schönes, Interessantes, was du vielleicht noch erzählen möchtest? En fin de compte, Claude Ozon, mon père a été toujours très visionnaire de beaucoup de choses. Et quand il a eu ses difficultés, comme je vous le disais, avec le creuset, il a voulu créer un couteau un petit peu nouveau. Et il aimait, il avait toujours eu des couteaux de poche, Lagiol de son grand-père. Et il s'est dit, comme on était très basé sur la table, je vais faire un Lagiol de table. Donc Claude Ozon est le premier fabricant à avoir adapté le couteau de poche à la table. Mais comme il ne pensait pas qu'il pouvait vendre un couteau aussi cher parce qu'il était sophistiqué avec cette abeille et tout, mon père a fait un couteau de table sans l'abeille. Je vais vous le montrer. Voilà, ici vous pouvez voir le couteau, le premier Lagiol de table que Claude Ozon a inventé. Das ist natürlich auch total interessant. Ich bin echt glücklich, dass die Claudine uns so viel, also ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Sehr interessant. Kommen wir jetzt als nächstes auch zu der Geschichte zwischen Thiers und Lagiol. Es gibt immer wieder Streitigkeiten, gerade in den letzten Jahren, zwischen den Schmieden in dem Dorf Lagiol und den Schmieden in der Messermacherstadt Thiers. Wie sieht Claude Ozon diese Problematik zwischen Lagiol und Thiers und den Kampf dazwischen. Wie stehst du dazu? En fin de compte, Thiers et Lagiol, nous devons travailler main dans la main justement pour combattre les Lagiol chinois. Nous avons deux savoir-faire. Les couteaux Lagiol se font à Thiers et à Lagiol. On n'est pas très loin, hein, on est à 200 km, hein, donc on est voisins. C'est vrai que le village de Lagiol a beaucoup appris de la technique de fabrication thiernoise, hein, puisque Thiers, on a toute l'histoire de la fabrication. Mais aujourd'hui, on est réunis et on est dans le même combat. Aujourd'hui, il y a une IG, une identité géographique qui est née. Et les deux villages peuvent être finalement rassemblés dans cette identité géographique, dans cette finalement dans ce combat, parce que au-delà de ces formes, il faut combattre la Chine et le Pakistan. Das würde ich natürlich auch wirklich wünschen, den Schmieden, denn für uns in Deutschland ist natürlich wichtig, dass ein Messer made in France ist und weniger wichtig, dass es aus Lagiol oder Thiers kommt. Wichtig ist die Qualität und eben halt die Handarbeit in Frankreich. Ungefähr 80% der Lagiol-Taschenmesser kommen aus China. Wie stehst du zu diesem Thema? Ist das irgendwie eine große Gefahr? Ist es ein Problem? Oder sieht man da sehr entspannt diese Geschichte entgegen?
Oui, il est vrai qu'il y a beaucoup de lagioles qui viennent de Chine, hein, c'est indéniable. Et il est très compliqué pour le consommateur de connaître l'origine parce que tout le monde ne marque pas Made in China. Donc le consommateur, c'est vrai, doit se référer finalement à la marque Lagiole. S'il y a juste marqué Lagiole sur la lame, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas d'où il sort. Il peut venir de Chine. C'est vrai que les bateaux arrivent, affluent en Europe. Hein, il y a certainement des grosses quantités de Lagiole. On imagine peut-être même pas tout ce qui arrive de Chine. Et le consommateur est perdu. Donc c'est là le véritable problème. Donc moi, ce que je conseillerais finalement aux consommateurs allemands, c'est de toujours regarder la gueule, mais de chez qui? D'où sort ce la gueule? Est-ce que c'est la gueule Claude Dosorm? Est-ce que c'est la gueule Tartempion? Et de se renseigner sur la marque qui fabrique ce la gueule-là. Yeah. Das ist natürlich so eine Sache mit den Lagiole Made in China. Deswegen sage ich auch immer wieder, es ist ganz wichtig zu wissen, bei welchem Händler du einkaufst, betone ich ja immer wieder. Denn wir wissen ganz genau, wo die Messer herkommen. Und wir bei originallagiole.de achten sehr darauf, dass wir nur Messer im Sortiment haben, die in Frankreich hergestellt werden. Hier in der direkten Umgebung von Thiers gibt es ja ganz viele Schmieden, wie zum Beispiel Guillaume Chazot, Le Fidèle, Arbalète, die sind wirklich ziemlich nah dran. Gibt es Kommunikation dazwischen oder sind das einfach nur verfeindete Unternehmen, die um Marktanteile kämpfen? Il y a une grosse communication. On a la chance à Thiers d'avoir la Fédération Française de la Coutellerie. Et d'ailleurs, les gens de la gueule peuvent adhérer à la Fédération Française de la Coutellerie. Et donc, au travers de cette fédération, nous avons des actions communes, des actions de promotion de la fabrication française. Et c'est vrai que, bien sûr, on ne va pas mettre notre fichier client en commun, mais on va avoir des actions communes. Par exemple, on est allé aux États-Unis ensemble, on va aller faire des salons ensemble. On peut, et tout se passe bien, au travers de différentes, et notamment la Fédération française de la coutellerie. Et justement, souvent, nous sommes voisins sur les salons, comme à Bienne, comme à Nuremberg, et tout se passe très bien. En fin de compte, on est tous là, aussi bien la gueule que tiens, pour la promotion de la fabrication française du la gueule. Das hört sich super an und das freut mich auch, dass es solche interessante Kommunikation gibt und das stärkt natürlich auch das Produkt Made in France. Kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Produkt Thiers-Messer. Das ist ein Taschenmesser, das besondere Schmieden hier in der Region Thiers herstellen dürfen. Die haben sich früher zu einer Gilde zusammengetan und das wird streng kontrolliert. Das wird jedes Messer, jede Neuentwicklung muss natürlich zugelassen werden von dieser Gilde. Man kann nicht einfach dein Thiers-Messer herstellen und das Schöne dabei ist natürlich, dass diese Messer geschützt sind, das heißt, da braucht man keine Angst haben, dass oder sich fragen, kommt das Messer aus China, aus Pakistan oder aus Frankreich, denn alle Thiers-Messer kommen immer und grundsätzlich aus der Region Thiers, aber wir möchten vielleicht ein bisschen mehr über diese Gilde erfahren, vielleicht wie es gegründet wurde, wer dabei ist, wie kam es zu der Entwicklung dieser Thiers-Gilde und dieser Entwicklung der Thiers-Messer. En fin de compte, on a voulu, Thiers a fabriqué beaucoup de couteaux pour plein de villes, pour tout le monde, mais n'a jamais eu son propre couteau. Donc il y avait quelques copains, dont Jean-Pierre Treille, hein, qui est à l'origine du couteau Le Thiers, qui se sont dit, mais nous on veut un couteau à nous, qui soit notre propre couteau. Par contre, on avait beaucoup appris de l'histoire de la gueule. Donc on s'est dit, si on ne met pas des règles avant de fabriquer le couteau, les Chinois vont s'emparer également de cela. Donc, les règles ont été posées. Il fallait que tout soit fabriqué dans la région de Thiers. Il y avait des règles strictes de qualité, d'épaisseur d'acier, de qualité d'acier, de fabrication, de finition, des moutures. Les règles ont été posées. Une forme a été posée et est née la confrérie du couteau de Thiers en 1994. Donc c'est assez récent, hein, il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant. C'est une forme très contemporaine qu'on reconnaît parce que le manche part en V avec une lame qui fait une petite vague. Et aujourd'hui, chaque fabricant, cette forme est à sa disposition. C'est-à-dire qu'on peut interpréter la forme du Thiers comme on le désire.
Claude Dauzan, bien sûr, a fait preuve de beaucoup d'innovation dans cette forme et a fait son fameux liner Le Tiers. Et son drop nine, son tiers loquet, etc. Mais avant de pouvoir produire, on doit proposer à la confrérie un échantillon et un modèle, et la confrérie doit donner son agrément, vérifie la qualité, vérifie sa fabrication, vérifie son fonctionnement, et à partir du moment où le couteau est agréé par la confrérie, on peut le vendre. Donc c'est vrai qu'on a eu des tiers, donc Claude Dauzan, qui ont été primés en Allemagne hein, par Messer Magazine, plusieurs années de suite. Et ce tiers est une forme contemporaine qui est absolument magnifique. Et il y a des règles, donc aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas le faire. Si les Chinois faisaient ce tiers, nous pourrions les attaquer. Nous pouvons défendre ce produit parce qu'il y a une règle. Das hört sich natürlich total spannend an und im Vergleich zu den Schmieden Lagiol, die ja natürlich keine Tiermesser herstellen dürfen, ist es sehr interessant, diese neue Messerart, die gewinnt in Frankreich auch immer mehr an Anhänger, vor allem weil jeder weiß natürlich, wenn ein Tiermesser gekauft wird, es ist absolut made in France und leider in der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit einigen Schmieden in dem Dorf Lagiol, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gesagt, die natürlich für große Unsicherheiten gesorgt haben, gerade bei der Marke Lagiol, weil jetzt die Kunden selbst in Frankreich gar nicht wissen, kommt das Messer aus China, kommt das Messer aus Frankreich, bei den Tieren gibt es diese Frage gar nicht, deswegen gewinnt das im Moment sehr stark an Verkaufsumsätze. Und deswegen mal die letzte Frage diesbezüglich bei Claudine Dauzan, wie viel Prozent ungefähr stellt Claudine un Tiermesser ou un Lagiolmesser. Wie ist die Verteilung? Alors, je ne répondrai pas sur la production en elle-même, mais plutôt en termes de marché. Aujourd'hui, les Français, ils sont très fans du tiers. Donc aujourd'hui, on vend beaucoup de tiers en France. Mais par contre, tout l'export, ils aiment encore le Lagiol parce que le tiers n'est pas encore très connu. Et grâce à vous, on va aussi connaître bien sûr le tiers, mais les Français ont un peu marre du Lagiol parce qu'il est galvaudé, parce qu'il a été fabriqué avec des mauvaises qualités, parce qu'il est fabriqué en Chine. Le tiers, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, les Français sont très friands de cette forme contemporaine du tiers, et les étrangers, ils viennent petit à petit. Donc ça va dépendre un peu quand on vend à l'étranger ou quand on vend en France, c'est deux marchés différents. La maturité n'est pas la même du produit. Da stellt sich natürlich auch jetzt die Frage, ich kann einmal vermuten, ich habe jetzt natürlich die Schmiede nicht gefragt in Lagiol, dass natürlich die eine oder andere Schmiede in Lagiol möglicherweise vielleicht ein bisschen neidisch ist, dass hier in Thier so etwas Tolles geschafft haben, dieser Name Thier, die Messerform zu schützen, was natürlich leider Lagiol damals zu seiner Zeit nicht geschafft haben. Deswegen kann ich mir ganz subjektiv vorstellen, dass hier und da so ein bisschen Neid ist, aber vielleicht weiß die Claudine ein bisschen mehr als meine Vermutungen. Wie ist das so? Sind ein bisschen neidisch die Schmieden in Lagiol? Non, je crois qu'ils sont contents qu'il y ait une promotion du couteau français et certains commerçants basés à Lagiol vendent du tiers et certains fabricants de Lagiol sont venus aussi construire une usine à tiers. Donc on a accueilli à tiers des fabricants de Lagiol, comme Honoré Durand, qui est un Lagiolais qui est venu à Thiers. Donc au contraire, ça donne une énergie et une synergie. Mais je ne pense pas qu'il soit jaloux, on ne peut pas dire ça. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Produkten von Claude Dauzan. Claude Dauzan hat sich schon seit längerer Zeit, haben wir gerade auch gehört von ihrem Vater, auf Steakmesser, Bestecke, Küchenmesser spezialisiert und da nicht nur Lagiol und Thiers, sondern auch eine ganz große Palette an ganz unterschiedlichen eigenen Entwicklungen. Und diesbezüglich stellt meiner Meinung nach Claude Dauzan viel, viel mehr Küchenmesser, Bestecke, Steakmesser als jede andere Schmiede, die ich kenne. Wie kommt es, dass Claude Dauzan sich darauf spezialisiert hat, gerade in diesem Bereich? En même temps, je crois qu'on est des gourmets et on aime la table. Donc voilà, on a développé beaucoup de couteaux de table, des formes différentes, hein, parce qu'il faut que le couteau s'adapte à la table, s'adapte au style, et on a besoin d'avoir des styles différents. Et je sais que Didier, qui est également un grand gourmet, va continuer de développer encore des couteaux de table, j'en suis certaine. Oh,
Da sind wir natürlich gespannt, was jetzt der neue Inhaber daraus macht, aus diesem Schwerpunkt, wo natürlich Clotosom sehr bekannt war. Clotosom hat aber auch sehr viele interessante Arretierungssysteme entwickelt, wie Drop 9, Veroo, Flipdrop. Das sind alle Entwicklungen von Clotosom. Manche davon gibt es nicht in Lagiol-Taschenmesser, sondern nur in den Thiel-Taschenmesser. Warum und wie kam es zu dieser außergewöhnliche Innovation? Gut, wir haben gerade erfahren, dass natürlich Clotosom sehr innovativ ist. Das bleibt hier natürlich auch nicht aus, dass auch solche Arretierungssysteme entwickelt werden. Aber die anderen Schmieden haben sowas nicht. Und dennoch ist die Frage, warum werden diese innovativen Arretierungssysteme nicht auch schon in Lagiol-Messer eingebaut? Alors déjà, je dois dire que si nous avons développé tous ces systèmes, c'est grâce à notre outil de production. Donc c'est vrai qu'on est très en avance par rapport aux autres sur la production, ce qui nous a permis de... Parce que c'est très compliqué de développer ces systèmes, hein, c'est très compliqué. Il faut faire plein d'essais, plein de découpes. Donc on a eu la chance d'avoir notre outil laser de découpe. On s'est appuyé également sur des anciens professeurs de mécanique. On a un chef d'atelier aussi qui aime beaucoup la mécanique pour mettre au point, les produits. Donc c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi nous l'avons fait que sur le tiers, ou principalement sur le tiers? Parce qu'il était protégé. Et donc, comme ça, on laissait un peu à l'écart toujours ces fameux Chinois et Pakistanais. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe das natürlich. Finde ich aber sehr schade, dass, sagen wir mal, gerade für die Lagiol-Messer nicht sowas auch gemacht hat. Aber ich kann natürlich sehr gut nachvollziehen, was jetzt hier Claudine gesagt hat und wie sie erklärt hat. Meine Lieblingsfrage ist natürlich immer, dass alle Schmieden, die ich kenne in Frankreich, die Lagiol-Messer herstellen, benutzen immer 12C27 und 14C28 Stahl der Firma Sandvik. Wie kommt es, dass ausschließlich dieser Stahl benutzt wird und nicht noch andere Ställe, die möglicherweise sogar noch besser sind, zum Beispiel aus den USA oder Japan? Es wird immer nur 12C27 und 14C28 benutzt. Wie kommt das? Déjà parce que ce sont des aciers européens, donc ça c'est important aussi, nous on est très européens, hein, voilà. Et parce que Clotosom estime que le 14C28N est le meilleur acier inoxydable du marché. C'est un acier qui est dopé à l'azote, sans carbure primaire, qui est utilisé par des fabricants de rasoirs. Ils utilisent des carbures même secondaires, hein, des aciers inoxydables carbures secondaires. Mais le 14C28N est un super acier qu'on utilise uniquement pour nos modèles très haut de gamme. Auch bei den Damaststählen ist ja so, dass die Schmiede Clotosom hauptsächlich Balbach-Damaststahl benutzt, und zwar die Version, die rostfrei ist. Und die Frage ist natürlich, warum setzen die nicht auch noch zum Beispiel Carbon-Damast von Balbach ein oder von anderen Schmieden hier in Frankreich, die ja natürlich nur Carbon-Damaststahl einsetzen. Warum hat sich die Firma Clotosom nur auf dieser rostfreie Damaststahl von der Firma Balbach so versteift, möchte ich mal sagen. Alors, aujourd'hui, on utilise uniquement des aciers damas inoxydables parce que le style de vie des gens, finalement, on nous demande des choses pratiques. Donc, on ne veut pas des aciers qui noircissent. Les gens ne savent pas toujours si ça va noircir, si ça ne va pas noircir. Donc, on a fait le choix de ne faire que des aciers damas inoxydable. Alors après, on voulait un véritable fabricant de damas et non pas du damas synthèse de poudre. Et là, avec Balbar, on a un super partenariat. On est allé les voir, on les a rencontrés plusieurs fois. Et là, c'est un véritable fabricant de damas et puis allemand en plus, donc qualitatif, vraiment fiable, avec un partenariat qu'on ne veut pas surtout pas défaire et qu'on est très fiers d'avoir noué depuis très longtemps, puisqu'on a été un de ses premiers clients français. Clotosom und World of Innovation, die arbeiten schon seit fast 20 Jahren zusammen. Wir haben eine sehr gute, sehr erfolgreiche Partnerschaft. Zumindest sind wir wahnsinnig glücklich, dass wir zusammen mit Clotosom auch viele schöne Messer entwickelt haben. Clotosom stellt auch für uns
Taschenmesser für Chevalier Lagiol, die ja unsere Marke ist, mit dem Drop-9-System. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir so eine lange und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit haben. Jetzt gerade hat uns Claude Ozom auch zugesagt, dass die sich einsetzen für unsere Aktion, The Lagiol Way of Life. Und wir werden von denen 2 bis 3 Taschenmesser bekommen, die natürlich diese 16 Teilnehmer bekommen werden. Da sind wir schon mal ganz glücklich darüber, dass sie sich mitbeteiligen und das entsprechend auch anerkennen. Auch werden wir einen Kanal über unsere OLT-Community mit der Schmiede Claude Ozom machen. Das bedeutet, dass du dann deine Frage in der Community stellen kannst und ich leite die Frage weiter an Claude Ozom. Wir bekommen dann die Antwort und ich stelle es dann wieder hinein. Es ist zwar eine etwas indirekte Art der Kommunikation, aber doch eine sehr direkte, denn du kannst ja Claude Ozom fragen, wenn du besondere Sachen hast, die du erfahren möchtest. Und da sind wir auch glücklich, dass Claude Ozom bereit ist, da auch mitzumachen und so die Community zu stärken. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Und vielleicht möchte jetzt auch Claude Ozom ein bisschen was sagen über die Zusammenarbeit, wie es jetzt mit Original Lagiol.de, denn gerade Claudine, die zwar jetzt nicht mehr in der Leitung der Firma ist, aber die kennt uns ja schon. Wir haben ja beide eigentlich eine gemeinsame Geschichte diesbezüglich und deswegen bin ich auch froh, dass sie jetzt heute hier ist und gerade diese Frage natürlich auch besser antworten kann als jeder andere hier bei Claude Ozom. J'ai été tellement ravie de travailler pendant plus de 20 ans avec vous et qu'on ait cette communication entre nous parce que c'est vous qui nous avez demandé des choses, vous nous poussez dans nos retranchements, donc c'est vraiment génial parce que on n'existe que pour nos clients et vous, vous avez le sens de ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez proposer à votre communauté, ce qui va plaire à votre communauté et ça, c'est ce dialogue que nous avons eu pendant ces années qui a été fabuleux et sortir des sentiers battus, faire des produits exclusifs pour vous, des choses que les gens ne vont pas retrouver ailleurs, mais uniquement chez vous, avec vous, grâce à vous. Eh bien, on a notre outil de production qui est à votre disposition pour vous, messieurs et mesdames. Et merci de justement d'être les ambassadeurs de la marque Claude Ozom en Allemagne quand vous l'avez dans la poche. Mais surtout, je suis certaine que ça va continuer parce que vous avez toujours des idées, vous bouillonnez d'idées. Enfin, quand vous êtes un créateur, et pour nous, c'est très chouette de travailler avec des gens sur lesquels on a un échange et puis on crée des choses ensemble. C'est le but d'un fabricant, c'est la création. Man kann es vielleicht hier nicht sehen, aber ich bin innerlich schon rot geworden. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Claudine, für dieses tolle Interview. Und wir sehen uns demnächst bei dem nächsten Video. J'aimerais dire une chose, c'est que Monsieur Perret, Didier, va continuer dans la même tradition. Il aime beaucoup l'innovation, la création. Donc, Claude Ozom ne change pas aujourd'hui. Il a l'homme qu'il faut pour continuer sur le même chemin et à faire des choses encore plus belles qui a été fait aujourd'hui. Das ist eine tolle Anerkennung an den neuen Chef von Claude Ozom und da bin ich auch gespannt, wie die Zusammenarbeit mit ihm sein wird. Aber wenn man Claudine glaubt, dann wird das richtig auch eine Erfolgsgeschichte. Ich freue mich schon drauf. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön.